aussi petit d'une certaine manière, dans lequel 40 000 personnes se promènent, il n'y ait aucun geste déplacé, aucun incident, aucune intolérance, que des gens heureux, que des gens qui sont merveilleusement contents d'être. Et si le sport... Match au sommet dans le tennis féminin. Oh, c'est bien joué. Extraordinaire. Vous entendez le bruit des tresses? Ouais, les tresses. Il y a incontestablement ce... Joli contre-pied, c'est très bien joué, une belle accélération sur ce plat. Martina poussée à ce niveau-là. Tranquille, en deux coups, voilà. Et voilà. Et en revanche, Venus Williams se pousse parfois à sa balade. Et oui, elle n'avait pas le bras assez long pour intercepter cette balle. Trois balles de trois jeux à deux. C'est trop court, évidemment. Et Martina Hingis s'en profite. 15-40. Le jeu et éventuellement le match. Extraordinaire, ça. Extraordinaire. Oh, que c'était bien joué de la part de Martina Hingis. Un smash. Aïe, 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 un mauvais coup d'œil. Avantage. J'ai la trajectoire, ralentir les balles. Elle joue beaucoup contre pied, Hingis, elle a raison. Oh là là, c'est très joli. Mademoiselle Hingis. Martina Hingis. Voilà le côté esprit. Pas facile. Et voilà le côté calculé. Magnifiquement servi de Hingis. À 130. Oh,
Oh, quel retour pour cette deuxième super. Balle, certes, mais c'était super. Pour aller chercher la balle. Surprise par l'amorti. Au jeu. C'est super, c'est tranquille. C'est le talent de Martina. On va se retrouver dans quelques instants. Changement de balle, s'il vous plaît. Mademoiselle Lingesman, pas 5 choses à 2. C'est Martina qui avait gagné la rencontre en 3-7. Se déplace bien quand même. Ça fait très 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 bien joué. Elle la prend presque à chaque centre car ça empêcherait la Suissesse de trouver des angles extraordinaires qu'elle trouve. Eh oui, elle la joue trop. Elle sait bien jouer ça, remarquablement joué, mais elle a beaucoup droit, très bien préparé. En avance et bien lancé ensuite. Là, bien joué. Belle ouverture, elle en a profité. Il ne faut pas trop les accumuler contre la Suissesse. Il y a du vent sur le central. Elle va monter. Blandide. Super, quel coup droit. C'est bien joué, c'est superbement joué. Oh là là là. C'est magnifique, c'est au millimètre. Elle gagne. De l'atelier. Pour Martina. Oh, que c'est bien joué. Le premier manche, mademoiselle Lingis. Premier set. En 6-3. Ce qu'il en faudrait, et c'est exactement ce qui lui permet d'engranger des points. Ace. Hey, un ace. Bravo. Allez, elle va monter. Très bien joué. Je. Voilà, un excellent jeu. Ah, allez, et Monsieur Diaz, ah, il va en faire des mètres et des centaines de mètres aujourd'hui. C'est vrai qu'elle flirte avec les lignes. Que dit Vénus? Elle est bonne, je pense qu'il va la donner bonne. Ah. Un 30-0. Elle est bonne. Deux jeux à un pour Mademoiselle Williams face à la. Elle va encore venir voir. Très suspicieuse, ah oui. Martina. Et oui, mais elle sait que tous les points sont très importants dans un match contre Venus Williams. Oh, il n'a peut-être pas vu là. Elle est bonne. Elle est bonne. Oui. Elle a raison.
Bien anticipé, Vénus sur la chelem. C'est unique dans l'histoire du tennis. Elle l'a rattrapé encore. Vraiment, c'est phénoménal cette anticipation. Oh là là, incroyable, elle a manqué son coup, elle n'a pas voulu se matcher. Étonnant, c'est un ventre billonnant parce que Jean-Louis Machu nous montrera les drapeaux tout à l'heure. Vous verrez que ça flotte dans tous les sens. Super. Mademoiselle Williams. Vraiment un joli sourire, même quand il y a discussion ou quand elle perd un point. Oh là là, incroyable. Uch, quel joli point, 40-15. Oh là là, extraordinaire. Là, il y a eu une accélération, quelques applaudissements. Quel tennis. C'est d'une régularité étonnante. Oui, bravo. Bien joué, Vénus Williams. Belle réaction, mais 40-15. Oh là là, à terre. Elle a plongé carrément. Eh oui. Courageuse. Elle ne va pas lâcher. Bravo. Comment ? Avant le rebond. Là. Magnifique. Mademoiselle Williams. Eh bien, c'est mérité. Inouï. Ah, jusqu'à la fin, la limite de l'épuisement. Ouais. Et quel point. Elles sont magnifiques dans l'effort, Jean-Paul, et même dans la douleur. Je sais le match, mademoiselle Hingis. Le match à zéro. Qui sort et qui 6, est terrible 3, pour 6, Vénus Williams et toute sa famille. Mais c'est le bonheur pour Martina Hingis et sa maman que l'on vient de voir. Nouvelle victoire, la sixième. Pour Martina Hingis face à Vénus Williams, la voilà qualifiée Martina pour les demi-finales. Certainement très déçue, comment ne pas être déçue après avoir été battue en quart de finale ici. Mais elle a fait des progrès sur cette terre battue. L'année dernière, on se souvient qu'elle avait été battue par Nathalie Tauzia.